une petite caresse des cailloux sur les jambes. A rendu ce moment imprévisible. J'adore les moments imprévisibles. Ce qu'il y a de révélateur, de jaillissant, dans ces moments imprévisibles, c'est de ne pas convoquer nos pensées, la crainte de la douleur, combien de fois, face à une contrariété, automatiquement nous créons un lien avec le prévisible, avec nos plaintes et nos souffrances. Puis arrive un moment inattendu dans notre vie, et pour chacun d'entre nous, si nous sommes encore là, c'est quelque chose de nouveau s'est passé. Quelque chose nous a révélé qu'il y avait une autre forme d'intelligence que l'intelligence mentale. L'intelligence de la prévision est nécessaire. Elle doit être laser. Mais l'autre doit être encore plus fulgurante. L'intelligence de l'imprévisible. C'est comme une énergie nouvelle traversant notre âme et notre vision d'être ce que nous sommes. Et ce sentiment d'être ce que nous sommes, on est bouleversé. Et le paradoxe, on est bouleversé d'admiration pour nos vieilles craintes et nos vieilles douleurs qui ne reviennent pas automatiquement à la moindre difficulté. C'est comme dans ce paysage, printemps. C'est un printemps bing-bang qui illumine nos sensations corporelles. Et ces sensations corporelles nous mettent en action dans une réalisation où n'interviennent pas nos doutes et nos croyances. C'est comme un mouvement premier indépendamment de nos pensées connues et de nos certitudes. Tiens, je ne pense pas. Je ne suis pas l'habituel moi. Je suis un présent pur avant de m'identifier au moi pensant. Je me ressens, je suis avant de savoir, prévoir, anticiper, organiser, craindre, calculer. Je suis ce que je suis, une vacuité se contenant elle-même d'être tout cela. Infini, illimité. Je suis un présent bing-bang.
même si tout disparaissait, je serais encore là. Il y a près de 40 printemps que j'ai ressenti cette impression je ne sais rien. Mais je n'en voyais pas la portée quotidienne humaine. Je sais que je ne sais rien. Ceci m'a apporté un calme abyssal, cosmique. C'était à la fois naturel et céleste. C'était comme si je comprenais sans comprendre. Je comprenais comme si je voyais toutes les premières fois. Les découvertes lumineuses de tous les anciens. Ce qui a fait que ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et aujourd'hui, je donne un peu plus de sens à cet imprévu créatif. Porteur d'une potentialité de nouveauté je découvre la colle qu'il y a entre le prévu et l'imprévu. Je me ressens dans un sentiment d'être sûr de tout. Et d'être sûr de rien. Je suis rien et je suis tout. Allons explorer.